come back. I've got some drinks ready for you. C'est incroyable! C'est fou! Ah, ils ont trop bien géré la lobby! C'est trop bien ce qu'ils ont fait! Ah, on a un chapeau sur la tête aussi, trop bien! Ah ouais! Ok, ok. On y va, on y va. Happy birthday! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Phasmophobia! Allez, on y va, c'est parti! Pouet, 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 pouet. Ah, mais il y a partie solo maintenant! Oh la vache! On fait peur là. Je prends de la maison. En intermédiaire déjà pour voir. Bon, je vais mettre tout parce que j'ai la flemme de choisir. Est-ce que les avatars ont changé? Non, c'est toujours les mêmes par contre. Allez, on démarre. Ah ouais, Guigui, sérieux? Plein d'enquêtes dans le monde? Ah ouais? En vrai ou dans les jeux vidéo? Ah, mais par contre, c'est trop bien. Alors. Ok, ça y est, on y est. Pour le moment, je vois pas de nouveautés comme ça. Ok, donc on va regarder donc le journal. Attendez, attendez, attendez. Oh mais j'ai quand même un beau palmarès, hein, si je puis me permettre. Hein. J'ai quand même un beau palmarès. Menu pause. Mais c'est trop bien. Oh non mais attendez, attendez, on est dans quel monde là? On est dans Phasmophobia, on a changé de jeu. Non mais attendez, c'est trop bien. Port alternatif. Oh! Non mais... Non mais c'est trop bien. Même ça déjà, ça me fait... Même ça, je trouve ça fou. Merci Oiseau en cage pour ton prime. Merci infiniment. Des gros bisous à toi. Comment tu vas? Merci beaucoup pour le soutien, c'est trop gentil. Les subs dans le chat, les amis. Oh, pas mal. Alors attendez. Donc vue d'ensemble. Oh là là, ça me paraît compliqué. Empreinte digitale. Orbe, livre d'écriture, objectif optionnel. Oh là là, c'est ce qu'on a à faire. Oh, c'est quoi ce bordel? Attendez, attendez, attendez. Là, c'est Dorothy Jones. Répond aux personnes seules. Objectif optionnel, avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal. Faites bouger. Faites en sorte que le fantôme éteigne une bougie. Faites marcher un fantôme dans du sel. Et là, on a l'épreuve qu'on coche. L'entité pourrait être, donc en fonction... Ah, trop bien! Ah, mais ça, c'est super. Ok, et les entités, elles sont là. Admettons, je clique sur fantôme. Bam. Ah oui, ça a bien changé. Ah oui, d'accord. Donc, on a vraiment un tout nouveau livre, tout beau, tout propre. D'accord, bon, on va partir avec Dorothy Jones. On va voir ce qu'elle nous dit, la petite Dorothy, hein, tout simplement. Hein. Ah, c'est pas mal, le fait que tout soit réuni dans le livre, ça évite... Bon, après, on perd ce côté, je dois retourner au camion pour aller regarder... comment le fantôme s'appelle, ou encore les objectifs optionnels. Après, on peut toujours retourner dans le camion, bien évidemment, pour regarder notre santé mentale, encore la maison, bref, les pics d'activité, vous connaissez, ou encore récupérer le matériel, ce qui est le plus important, finalement. Moi, je vais récupérer ça, je vais prendre un EMF, et je vais prendre température, voilà. Les clés. Donc là, vu que j'ai pris les clés, ah oui. Ah, c'est trop bien! Ok, c'est stylé. Donc on va... Donc ça c'est quoi? Pourquoi c'est preuve? EMF niveau 5. Certaines entités... Ok, donc là il nous réexplique. Non mais par contre c'est trop bien. Moi j'aime beaucoup ce nouveau livre. Alors après on va voir. Il y a des nouveautés qui ont été ajoutées dans le jeu et tout. Moi je veux voir ce que c'est. Alors on y va. Je veux voir. Est-ce qu'ils ont décoré la maison pour l'anniversaire ou que le lobby? Je pense que c'est que le lobby aussi en parallèle. Hein. Ah j'ai peur que ça termine mal par contre. Ah j'ai peur que ça finisse mal. Merci encore Oiseau en cage pour ton abonnement. Merci beaucoup.
Coucou Makilira, j'avais pas vu ton message. Sendigo avec mon nouveau compte, comment tu vas depuis le temps, OMG? T'as changé de compte? Bah ça va et toi? Merci beaucoup. Ah j'ai pris cette maison, je voulais pas. Ah! Allez, on y va. On y va. Quoi? C'est quoi son nom? Dorothy, Dorothy Jones. On y va. Ok, on y va. Attention, je suis ici. Je n'hésiterai pas à frapper si vous si vous venez m'agresser, hein. Je vous tape, hein. Sans sommation. Je précise. Dorothy, restez où vous êtes, hein. Ne m'obligez pas à venir. D'accord. Ok, on a un os. On reste sur des 20 degrés, on reste sur de la bonne température. Je rentre. Très bien. 11 degrés. Oh, je pense que le fantôme est ici. Oh, je pense qu'elle est là. Vous savez quoi? Je le tente. On va... Putain, elle a ouvert la porte. Oulala. Ah ouais, mais moi je demandais pas par contre qu'elle ouvre les portes, hein. Oh, je vais me battre. Ouais, maintenant on peut aussi courir pendant 3 secondes. Là, je vais me battre, hein. Ça a mal fini, hein. On rigole, on déconne, machin, mais je pense qu'il y a des limites à la connerie. Ouh, il y a eu un petit pic, là. Bon, on y va, on continue. La spirit box. Dorothy quoi? Dorothy Jones. Ok, on a la spirit. On a... Je prends ça, le livre. Je veux lui parler. Je tente de lui parler. Je tente, hein. Ah, ça pue. Pourquoi je tente ça? Ok, j'y vais. Oh, elle est là. Ah, je n'ose pas bouger. Dorothy Jones, quel âge avez-vous? Dorothy Jones, répondez-moi tout de suite, sinon je vais faire un malaise. Dorothy Jones. Dorothy Jones, quel âge avez-vous? Répondez. C'est là. Oh là, ça pue, hein. Oh, ça pue. Elle va m'attraper, elle va me monter au plafond. Oh, je le sens. Gros comme une maison, hein. Gros comme une maison. On y va, on y va. On va prendre le dot, là, tiens. Tiens, 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 tiens. On va prendre le dot, on va prendre la caméra, tiens. On va filmer ça en 4K. Ça serait quand même con de passer à côté de ça. Je prends pas de pilule, allez. Je le tente, je prends pas de pilule sur cette nouvelle mise à jour. Et on peut passer en caméra infrarouge maintenant aussi. Sur ce nouveau modèle. C'est vraiment bien foutu, hein. Dorothy Jones, j'arrive. Restez où vous êtes. Don't move, hein. Or, je vous en colle une. J'ai peur. Je m'en vais. Alors maintenant, il y a aussi plus d'histoire. T'as plus besoin maintenant d'allumer la caméra comme avant. Avant, dans Phasmophobia, il fallait allumer la caméra. Des fois, il y avait des oublis. Du coup, elle n'était pas allumée. Il fallait y retourner. Là, maintenant, ça s'allume automatiquement. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Cette mise à jour, je pense qu'elle a été faite pour moi. Je vais attendre ici et regarder si on voit le fantôme via le nouvel appareil, le DOTS. Du coup, le DOTS, c'est ce qu'il y a au sol. Ça vous fait plein de petits points, en fait, sur les murs. Et on peut voir le fantôme grâce à ça. Et on peut même... Alors,
Vous m'aviez conseillé de me mettre en infrarouge, justement, pour mieux voir le fantôme s'il venait à passer devant. Et ça, c'est une nouvelle preuve, le DOTS. Donc on attend un petit peu. On va attendre d'aller 1 minute, 2 minutes pour voir si on le voit arriver. Si on le voit nous dire coucou. Ah, j'ai peur. Ouh, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle mise à jour, là? Ça ne me plaît guère. Okay, pour le moment, ça passe pas. Après, ça peut venir d'ici 1 minute. Hein. On va voir. Après, elle a touché la porte. Je pense qu'on a une empreinte. Ça, pour le coup, je pense vraiment qu'on a une empreinte. On va voir. Mais moi, je pense qu'il y en a une. Ok, je vois rien. Ça se trouve, elle va apparaître d'ici quelques secondes. On peut pas savoir, mais... Je vais quand même aller chercher le truc pour les empreintes. Je vais chercher la lampe UV, je vais aller regarder. Allez hop, on y va. Oh, je le sens mal. Attendez, je prends ça. Je prends quoi d'autre? Oh, le sel. Tiens, un petit peu de sel de baleine. Elle marchera dedans si elle le veut. Ouh. On va voir. On y va. Dorothy, j'arrive! Non mais pas toi, Loulou, tu t'appelles pas Dorothy, toi tu t'appelles Pearl. Tu t'appelles pas Dorothy, toi, si? Dorothy, c'est toi? Dorothy, tu es en peur, là? Qu'est-ce qui se passe? Allez, elle va m'ouvrir en deux, c'est parti. Dorothy Jones? Est-ce que vous m'entendez? Quel âge avez-vous, Dorothy? Un petit peu de sel de Guérande. Putain. Elle tape. Dorothy, je m'en vais, hein. Je préfère tout de suite vous le dire parce que bon... Elle a tapé à la fenêtre. Mais c'était bizarre, effectivement. J'avais l'impression d'entendre, effectivement, des coups sur un mur ou... je sais pas, moi, sur une porte, un objet, peu importe, mais... Ok, donc on a une empreinte. Dorothy nous a laissé une empreinte. Ah bah, avoir un membre de votre équipe assister à un événement paranormal, je pense que taper 2 fois à la fenêtre, c'est un événement paranormal, effectivement. Donc, preuve, on a eu une empreinte digitale. Boum, ça s'accroche. Ah, c'est propre, hein. Ah, j'aime beaucoup ce nouveau système. N'hésitez pas à me le dire, les amis, dans le chat ou bien encore dans les commentaires sur YouTube. Voir un petit peu ce que vous en pensez. Alors, l'empreinte digitale in the pocket, c'est bon. Donc. Alors là, il nous reste quoi, en fait? Ah, ok, donc là, il peut nous rester un peu de tout. Est-ce qu'on peut avoir une orbe? Vous savez quoi? Je vais remettre une autre caméra. Par contre, il se passe quoi dans la maison, là? Dorothy Jones. Dorothy, qu'est-ce que vous faites? Je vous parle depuis le petit micro, juste à côté du PC. Dorothy, calmez-vous. Ce n'est rien, ce ne sont que des caméras. Calmez-vous. Dorothy. Ok, j'y retourne, j'y retourne. Oh, elle va me démonter. Elle va me démonter. Je vais mettre une autre caméra. Ah, j'ai plus de trépied. Ah. Oh là là, comment ça va mal... Oh, comment ça va mal se passer? Bon, j'y vais, hein. Mais Dorothy, restez où vous êtes. Je ne voudrais pas appeler la police. Ne m'obligez pas à faire ce que vous ne voulez pas. J'y vais, j'y vais. Et maintenant, on peut voir les orbes aussi depuis la caméra. Oh, j'ai peur.
Dorothy, quel âge avez-vous? Dorothy Jones, quel âge avez-vous? Je m'en vais, Dorothy, je m'en vais. On va pas discuter pendant 10 ans, hein. Pas de soucis. J'ai noté. J'y vais. Elle m'a fait peur. Oh la vache, elle m'a fait peur. Hold. Oh, les nouveaux sons, ils sont horribles. Spirit, donc c'est un fantôme ou un poltergeist. Donc c'est soit écriture fantomatique, soit température glaciale. Non, mais même pas. Attendez. Écriture fantomatique. Oups. Écriture fantomatique ou projecteur. Ou le projecteur. Ah bah là. Je pense que Dorothy veut parler, hein, veut discuter avec nous, je pense. Il n'y a plus de suspense à ce niveau-là. Moi je vais prendre l'appareil photo parce que Dorothy. Elle m'a l'air d'aimer les photos. Attendez, je vais mettre l'autre caméra. Mais elle a fermé la porte. Mais elle nous a fermé la porte au nez, Dorothy. Je suis peut-être partie au bon moment, je suis en train de me dire maintenant, finalement. Tout compte fait, j'ai peut-être bien fait de me barrer. Elle a fermé la porte. Elle a fermé la porte. Bonne nuit, Shaina, repose-toi bien, des bisous. Coucou, Afidalia, comment tu vas? Ouais, je vais prendre les bougies. Ok, on y va. Fermez la porte, là, Dorothy, je reviens pas. On y retourne. Ouh, ça, si c'est pas quelqu'un qui veut son intimité, moi, je connais pas. Allez, on prend ça, la bougie. Allez, hop, on y va. C'est quoi le dernier truc? Ah, bah, la bougie, voilà. Oh! On y va, on y va. Moi, j'aime pas ça, hein. Oh, j'ai pas allumé. Ah, Dorothy, arrêtez! Ah, oh, ça m'insupporte là. Je vais me bagarrer, Dorothy, hein. Oh là là. Oh purée. Oh, ça sent la mort. C'est la petite odeur là. Oh, la petite odeur. Je vais prendre un briquet, je vais le chercher. Bon, j'ai pris une photo des traces de pas. Oh, j'aimerais bien qu'elle se décide à écrire dans le livre là. Elle va m'ouvrir en deux là, Dorothy, là, je la sens mal. Elle attend que ça, je suis à 69%. Attendez, on va la fixer, ça se trouve. Attendez. Attendez, elle est pas très maline la Dorothy, j'ai l'impression. Vous avez vu le nombre de pas qu'elle fait, le bordel qu'elle fout dans la maison? Ça se trouve, elle va passer devant le projecteur. Elle va pas fermer la porte, elle va passer devant. On va la griller. On va attendre, on va la voir. Vous allez voir. Si c'est pas une écriture, c'est le projecteur du coup. On va vite le savoir. On va attendre une petite minute et voir si on voit Dorothy passer. Dorothy, je vous parle depuis le micro du bureau. Je suis pas du tout dans le bureau, c'est vrai, je suis dans le camion. Passez devant la caméra si vous êtes là. Je sais que vous êtes là. Vous avez marché dans le sel. Vous avez fermé la porte. Vous m'avez répondu à la spirit box. Je pense que tout ça, c'est des preuves accablantes. Coup d'éclat project, comment tu vas? Dorothy. J'arrive, Dorothy. Allez. Elle me charge les noises. On y va. Par contre, je vais quand même mettre une petite croix, parce que bon... Moi, je jette l'appareil, parce que j'aurais pas le courage de prendre Dorothy en photo. Par contre, je suis pas assez bête pour oublier la croix. Ah bah.
Je suis pas assez bête, je vous le dis tout de suite. Elle va m'en coller une, ouais. J'ai paniqué. Dorothy Johnson. Dorothy, ça c'est sûr. Après, je sais plus le nom de famille. Elle a retouché à la porte. Pouvez-vous écrire dans le livre, Dorothy? S'il vous plaît, pouvez-vous écrire dans le livre, Dorothy? Ah! Oula, oula, j'ai pas dit. Ah, calmez-vous, calm down, calm down. Putain. Dorothy, calme-toi. Dorothy, calme-toi. Du calme. Quoi? T'as dit quoi? Le MF, il était à combien? Dorothy, pouvez-vous refaire? Oh, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Pas besoin de me le répéter deux fois, Dorothy. Hein. Oh, je suis partie avec mon EMF, hein, ça. Sans broncher, j'ai laissé tout le matériel, il y en a pour 150 balles dedans. J'ai tout laissé, hein. Mais elle était vraiment en attaque, en plus. Elle était à 10. Mais on est foutus, on n'y arrivera jamais. Le problème avec Dorothy, c'est que... Mais attendez, s'il faut, en fait, c'est pas du tout les bonnes preuves qu'il me faut, là. Attendez, je regarde le livre. Attendez, parce que... Ah mais oui, mais attendez. Ah mais ouais, mais non. Donc attendez. Non mais attendez, on va re-regarder ce qu'il faut. Non, non. Je vais pas mettre fantôme. Fantôme ou polter? Parce que attendez, je suis pas sûre de moi en fait là. Si c'est un fantôme, c'est le projecteur. Si c'est le polter, c'est l'écriture. Non, j'étais bien, j'étais bien. J'avais compris. Par contre, j'ai eu tous mes objectifs du coup. Donc, elle a pas l'air d'être décidée à écrire. Hein. Alors, soit elle sait pas écrire. Dans ce cas-là, c'est pas grave, je peux lui demander un dessin. On peut toujours s'arranger entre fantôme et enquêteur. Sinon, il faut qu'elle passe devant la caméra. Mais la caméra, ce qui est bizarre, c'est que... Bon, elle me dit clairement qu'elle veut me tuer. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais bon, je pense qu'en fait, mon dots, là, il est trop mal placé. Je pense que le dots, là, il est pas bien placé et il faudrait que je bouge la caméra. Bon, ouais, je vais aller mettre ça. Par contre, je suis à 67 de santé mentale. Ça, cette histoire, elle va mal finir. Moi, je vais me faire bouffer. Hein. Non, mais là... Là, ça va mal finir. Hein. J'y vais. Écoutez, je vais reprendre un autre livre. Elle m'a quand même dit attaque. Moi, je dis ça, je dis rien, mais... J'ai le flair pour ces choses-là et je sens que ça va se passer. Allez. Dorothy? J'arrive! Attendez, c'est quoi son nom déjà? Dorothy Jones. Dorothy Jones? J'arrive. J'espère que vous allez bien. Je suis la même personne qui est venue, vous savez, il y a quelques minutes. Bah, c'est moi. On verra ce qu'elle a écrit dans le camion. Merci Dorothy, merci beaucoup pour votre aide. Merci infiniment. Nous allons repartir, moi et mon équipe, dans notre camion. Je cours d'ailleurs, oui, allez. Merci beaucoup Dorothy. Passez une bonne journée. C'est cadeau la lampe, c'est cadeau. Et tout le reste d'ailleurs, j'y retourne pas moi. Alors qu'est-ce qu'elle nous a écrit là, Dorothy, là?
I've... Oh là là, c'est pas écrit. On comprend rien. On pourrait faire des efforts. Hein. I've been here. I've been here. So long now. Je suis ici depuis si longtemps. It hurts, so please help me. In... C'est quoi, genre je suis ici depuis si longtemps. En gros, je souffre, s'il vous plaît, aidez-moi. C'est ça que ça veut dire? Bon bah... On a eu la preuve, hein, une écriture fantomatique, du coup c'est un poltergeist. Voilà, voilà. Elle a besoin d'aide, retourne-y. C'est bien un grand mot, ça, elle a besoin d'aide, retourne-y. C'est pas parce qu'elle a écrit Hurts, en gros, que tout de suite ça veut dire aide-moi. Non, non, je n'irai pas. Je vais voir le camion, moi j'y vais. Allez. Des bisous. On va refaire une autre enquête.